Allez, c'est parti. Donc, en effet, on enregistre un peu plus et c'était loupé. Donc, welcome à toutes qui êtes là. On va parler des peelings. On va parler des peelings l'été. Je refais une introduction. Donc, le peeling l'été, c'est possible. Avant, ce n'était pas possible. On a des produits qui nous permettent aujourd'hui de travailler toute l'année. Alors, peeling ancienne génération, peeling nouvelle génération. Est-ce un fake? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est du marketing comme lobby seller? Est-ce que du coup, on peut réellement le faire toute l'année? Ben, on va en débattre et on va tâcher de vous apporter énormément d'informations sur ce temps-là pour que vous puissiez ben, vous faire votre, avis, je dirais, sur la question. Hop, j'admets une collègue en même temps. Les peelings ancienne génération, c'est comme ça que je les appelle, les peelings traditionnels, les peelings conventionnels, vous le savez, c'est comme ça que je les nomme. C'est lesquels? Bah, c'est tout ce qu'on a jusqu'à maintenant sur le marché avec lesquels moi-même je travaillais. On pouvait les faire donc automne et hiver et suivant bah, où on habitait en France, plus ou moins longtemps dans la saison. Tu habites Lille, Strasbourg ou tu habites Cannes, Montpellier, ce n'était pas forcément la même saison. Il s'avère que sur avril, mai, on devait arrêter et on reprenait octobre, novembre, les peelings. Les peelings, on aime bien. Cela dit, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup d'esthéticiennes de collègues qui ne connaissent pas les peelings, qui en ont peur, qui ne connaissent pas bien. Donc, on a fait un premier webinaire avec Valérie pour vous parler des peelings et ça, c'était en janvier. Webinaire que vous retrouvez sur la chaîne YouTube Médiage Formation et qui vous permet de mieux découvrir les peelings. Suite à ce webinaire, vous avez reçu une FAQ, la foire aux questions, qui contenait énormément de pages. Moi, j'ai beaucoup écrit et cravaché. Et les filles ont fait une belle mise en page et on vous a envoyé ce très beau document, le FAQ, qui vous permet de mieux connaître les peelings. Les peelings ancienne génération, comment ils fonctionnent? Très simplement, peeling, to peel, peler, eh ben, ils sont là pour enlever, supprimer hein, par enzyme, par acide de fruits, les fameux AHA, eh ben, une partie de la couche cornée, une partie de l'épiderme de manière partielle et normalement contrôlée. Donc, avec les peelings ancienne génération, j'enlève la barrière, j'enlève la couche cornée et j'enlève une partie de mon épiderme vivant plus ou moins profondément. Moi, en tant qu'esthéticienne, je ne peux pas aller au-delà de 40% d'acide de fruits. D'accord? Ça, c'est la législation. Donc, avec mes peelings ancienne génération traditionnels, si je veux des résultats anti-âge, je suis dans l'obligation de monter en pourcentage en puissance d'acide. L'inconvénient, c'est que plus je monte en acide, plus j'enlève de l'épiderme. Et plus le risque d'effet secondaire augmente. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas faire ça toute l'année et qu'on ne peut pas les faire sur tous les phototypes. Les peelings nouvelle génération, et on a la chance donc avec PH Formula d'avoir ces peelings-là, eh bien je vais pouvoir les faire toute l'année sur tous les phototypes. Je répète, toute l'année sur tous les phototypes. Pourquoi? Parce que le fonctionnement est complètement différent. Avec, coucou Adeline, avec ces produits de chez PH Formula, on va travailler différemment. Ils s'appellent peeling ou resurfacing. Moi, je les nomme traitement peeling, peeling nouvelle génération, VS, donc les soins peeling. Donc, vous, dans votre discours, vous avez les soins peeling ancienne génération et dans le nouveau discours, qu'est-ce que je dis? Eh ben, je dis traitement peeling. Donc, vous voyez déjà, dans la tête des clients, ce n'est pas la même chose. Je peux, madame, en effet, vous proposer du soin peeling. On en a, on fait, on connaît. Ou alors, je vous propose un traitement peeling. La prise en charge n'est pas la même. Je peux le faire toute l'année sur tous les phototypes. Et surtout, je ne fais qu'améliorer au fur et à mesure de ces traitements-là. Je ne fais qu'améliorer l'état de la peau de manière générale, profonde, durable et évolutif. Alors, comment ça fonctionne? Là, vous pourriez me dire, ben, OK, Cécile, donne-nous quelques petites infos, ça nous intéresse. Chez PH Formula, on va trouver un complexe qu'ils ont breveté, nommé le PHDVC. PHDVC, ça permet quoi? Une biodisponibilité des ingrédients actifs. Déjà, on aime bien le terme biodisponible, ça fait quelque chose de très naturel, et c'est le cas. Les ingrédients actifs, ça va être quoi? Eh bien, chez PH Formula, les filles, qu'est-ce qu'on a comme produit? On n'a pas que des acides. On a des acides déjà beaucoup plus élaborés, ceux qu'on connaît, lactique, glycolique, salicylique, mais on va avoir aussi des lactobioniques. On va avoir
des vitamines A, C, B3, B5, vitamine E. Et puis, on va avoir des oligoéléments, le zinc, on va avoir des acides aminés, on va avoir des peptides, et on va avoir tous ces actifs-là qu'on retrouve dans les peelings et les cosmétiques. Et c'est pour ça que ces peelings-là sont des traitements. Ils ne font pas qu'enlever pour demander une action, une réaction de la peau. Ils vont demander une action, une réaction de la peau sans supprimer. Donc, ce pH DVC, il est là pour amener une biodisponibilité de ces ingrédients actifs. Donc, le pH DVC va faciliter la pénétration de manière uniforme de ces ingrédients actifs à travers la membrane cutanée, parce que les pH DVC, le pH DVC, il est autant hydrophile, j'aime, d'accord, l'eau, que hydrophobe, j'aime pas l'eau. Donc, il va pouvoir, comme ça, rentrer, pénétrer à travers la membrane cutanée et faciliter la pénétration des ingrédients actifs. Dans ce pH DVC, on va avoir un complexe saponin anti-inflammatoire. T'imagines, tu es en train de faire un peeling, mais tu as aussi une action anti-inflammatoire. C'est quand même génial, parce que si tu as déjà pratiqué le peeling, tu sais que qu'est-ce qui se passe au niveau du peeling? Eh bien, ça crée de l'inflammation. Ça crée de la rougeur. Et ça, c'est un effet secondaire. Et ça, c'est un effet secondaire qui est délétère. Cette inflammation, on en a besoin pour avoir une réaction de la peau, une réparation. Mais à côté de ça, on sait aussi que ça donne du stress oxydatif, que ça met la peau dans un état d'urgence, de stress, et que ça accélère le vieillissement. On sait aussi que l'inflammation, c'est responsable du rebond pigmentaire. Donc, il y a des phototypes 4, 5, 6. Bah, du coup, on ne veut pas d'inflammation parce qu'on ne veut pas de rebond pigmentaire, donc on ne fait pas de peeling. Et puis, il y a des phototypes 1, 2, 3 qui peuvent quand même me faire du rebond pigmentaire à cause de l'inflammation et donc me faire des taches pigmentaires qui vont apparaître au bout de quelques semaines jusqu'à 6 mois après. Et bien là, on va avoir dans ce complexe pH-DVC un complexe anti-inflammatoire pour empêcher justement cette inflammation délétère qui est responsable du stress oxydatif, du vieillissement accéléré et du rebond pigmentaire. Déjà, rien que ça, on est très content. Ensuite, on va avoir des fragments à queue polarisée. Ça, c'est aussi des transporteurs d'actifs. On va avoir le FDKL1. Là, on va avoir un transporteur d'oxygène. Et figure-toi qu'il y a les études qui nous montrent que le FDKL1, ça améliore la barrière. Améliore la barrière, tu fais un peeling et tu améliores la barrière. Ça pourrait être un non-sens. Eh bien non, avec les peelings nouvelle génération, ce n'est pas un non-sens, c'est possible. On va pouvoir améliorer la barrière tout en facilitant la pénétration des actifs et en limitant l'inflammation. Donc, tu as l'impression qu'on n'est plus dans du peeling. Ce n'est pas faux. On en est dans des traitements beaucoup plus spécifiques et beaucoup plus pointus que le peeling de base. Donc, grâce à ce pH-DVC, eh bien, c'est pour ça que actifs qui pénètrent mieux, anti-inflammatoires, augmentent ben, la réparation de ma barrière. Finalement, c'est grâce à ça que je peux le faire toute l'année, sur tous les phototypes. Résultat, eh bien, on va avoir une meilleure communication cellulaire, on va avoir une libération contrôlée avec très peu d'effets secondaires. Et celles qui ont suivi ben, la formation que j'ai donnée entre aujourd'hui et hier, eh ben vous avez vu les témoignages des stagiaires qui ont suivi la formation, elles en ont fait sur elles-mêmes. La peau est superbe, la peau elle est fraîche. On a fait ça quand même sur de la rosacée. Eh bien, le lendemain, donc aujourd'hui, la peau était moins rouge. On a pu faire un peeling sur de la rosacée. On a fait un peeling sur un phototype qui était un phototype 4. Et on va pouvoir faire des peelings sur des phototypes 5 sur des phototypes 6. Voilà pour la particularité de ces produits grâce à ce fameux pH-DVC. Ensuite, ce peeling-là, on va trouver des ingrédients actifs comme des complexes peptidiques. Voilà, le terme, il est sympa. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va avoir des palmitol tripeptide 1, des palmitol tripeptide 7 qui vont inhiber les réponses inflammatoires. Donc, rappelle-toi que tu as déjà un complexe anti-inflammatoire. Et ben, dans tes produits peeling, au milieu de tes acides, tu vas avoir encore une fois
des complexes spécifiques anti-inflammatoires qui vont être là pour réparer tout de suite, pour contrôler et maîtriser cette inflammation, tout en stimulant quoi? La production de collagène. C'est quand même assez formidable. On va avoir tout un tas d'actifs comme le butyl résorcinol. Ça, c'est les ingrédients actifs. Donc, ces actifs-là qu'on va retrouver tantôt dans les peelings, tantôt dans les cosmétiques, tu comprends à quel point ils vont permettre de réparer, de nourrir et de prendre en charge la peau. Donc, quand vous faites un peeling pH formula, ce n'est pas un simple peeling où je détruis la barrière pour laisser rentrer des actifs, parce que l'idée du peeling à la base, c'est ça. C'est là, je ne dénature pas la barrière. Je fais en sorte que la barrière devienne perméable, un temps éphémère, un temps donné, pour que mes ingrédients actifs qui sont dans mon produit peeling pH formula puissent pénétrer et œuvrer au cœur même de ta barrière cutanée, au cœur même de ton épiderme, pour réparer à l'intérieur, pour densifier l'épiderme. Cécile, j'ai une très bonne question qui nous vient d'Evelyne Etienne et qui dit j'ai du Evelyne. mal à comprendre du coup le fait du côté de recommander la CSPN niveau d'inflammation n'est pas mal et de l'autre dire que l'inflammation est nocive et fait vieillir. Quelle est la Alors, nuance? très bien. Très belle question, L'inflammation, hein? c'est une très bonne question. L'inflammation, on en a besoin parce que c'est le message. C'est-à-dire que quand vous allez faire de la CS, quand vous allez faire les peelings, quels que soient les peelings d'ailleurs, ça va donner un message à la peau. Ce message-là, qui est transporté par les messagers chimiques comme les chimiokines, ils vont envoyer un message aux différentes cellules de la peau, qui vont engager ce processus inflammatoire. Et de par ce processus inflammatoire-là, eh bien, ça va engager un processus de réparation et de cicatrisation, tant sur l'épiderme que dans le derme. Donc finalement, c'est hyper intéressant. Par contre, je veux le maîtriser. Je veux un message maîtrisé. Et c'est ce que j'explique avec du coup bah, et ACSPN et pH Formula. C'est pour ça que pH Formula, ça s'inscrit dans la cornéothérapie. C'est qu'on va faire un message d'inflammation qui va être maîtrisé, contrôlé grâce à ce que je viens de vous expliquer dans le pH DVC. Donc j'ai des actifs anti-inflammatoires, j'ai des complexes peptidiques anti-inflammatoires pour maîtriser l'inflammation. Comme ça, j'ai déclenché le message, Evelyne, mais du coup, je stoppe après le système inflammatoire pour pas qu'il soit en expansion dans la peau et pour avoir ces fameux effets délétères. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Est-ce que du coup, Valérie, tu veux compléter? Je pense que tu as complètement raison. Donc, s'il n'y a pas d'inflammation, si on ne crée pas une inflammation dans la peau, on n'aura jamais une réaction. Donc, ça, c'est sûr. Mais le problème, c'est que en déclenchant certaines inflammations, parfois, certaines peaux, certaines parties du corps vont, comment j'appelle, en overdrive, ça commence à faire effet boule de neige. Et là, Surréagir. on n'a plus le contrôle. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien chez pH Formula, c'est que à tout moment, on a le contrôle sur l'inflammation qu'on provoque dans la peau. Et de ce fait, on peut le faire à tout moment sur tout type de peau, puisque c'est nous, vous les esthéticiennes, nous de pH Formula, qui avons le contrôle et pas le produit qui a le contrôle. Donc, c'est en fait, je dis toujours, c'est nous qui sommes au volant, on n'est pas dans la chaise du passager, c'est nous qui sommes au volant. Alors, ça rejoint un peu finalement ce qui s'est passé sur le terrain entre hier et aujourd'hui dans la formation. C'était très intéressant et ça vous amène une sécurité. Vous allez pratiquer un peeling en toute sécurité parce que grâce à ce complexe pH-DVC que vous trouvez dans un produit en particulier chez pH Formula qu'on appelle le SP complexe, ce produit-là, vous allez l'appliquer sur tous les visages. Toujours au tout début du traitement, à chaque rendez-vous, à chaque traitement peeling, vous allez mettre un produit. Ce produit-là, il va vous permettre de constater la sensibilité de la peau à l'instant T de la cliente ou du client que vous avez là chez vous dans votre cabine. C'est-à-dire que je suis capable, grâce à ce produit-là, de savoir exactement, précisément, à chaque rendez-vous, si la peau sur laquelle je veux travailler, elle est capable de recevoir tel produit ou non, et jusqu'à où je peux l'emmener. Donc j'en suis dans le contrôle, comme disait Valérie. Grâce à ce produit-là, je sais si je vais faire 3 minutes, 5 minutes, une couche, deux couches,
si je peux faire du edge solution, du edge mild. Voilà, là, je vous donne des termes que vous connaissez, certaines pas encore. Et grâce à ce complexe PHDVC que j'ai dans mon SP complexe, eh ben, vous n'êtes jamais à travailler de manière aléatoire, sans être certaine, sans certitude, et du coup d'avoir peur, est-ce que je le laisse suffisamment longtemps pour avoir de résultats, et est-ce que malheureusement je ne l'ai pas laissé suffisamment longtemps pour avoir du résultat, ou est-ce que je l'ai laissé trop longtemps, et là je vais avoir des effets secondaires. Donc quand vous travaillez avec les produits PIH Formula, eh bien, je vais pouvoir mesurer à l'instant T jusqu'où je peux aller de façon très nette et très précise. Il s'avère que Fatou est présente. Fatou, qui a suivi la formation de ça il y a 2 semaines, et qui est une esthéticienne qui travaille beaucoup les phototypes 4, 5, 6. Et j'aimerais, Fatou, si tu es d'accord, que tu puisses prendre la parole de 3 minutes et que tu puisses peut-être là nous faire un témoignage sur ta formation, sur toi, vu que tu l'as reçue, et que tu puisses déjà peut-être nous donner des infos sur ce que tu as pu faire à ton institut depuis que tu les travailles et comment tu en parles. Et puis, les problèmes que tu rencontres avec les phototypes 4, 5, 6. Alors, bon, déjà, la formation, elle était super, hein, déjà. Bah, merci. Super intéressant. Et alors, déjà, pour résumer, comme tu l'as dit, je travaille sur les phototypes 4, 5, 6. Oui. Même 4, des fois, j'en ai pas. Donc, c'est vraiment des phototypes très foncés. Et les problématiques que je rencontre, c'est le pigmentaire, l'acné inflammatoire. Et le problème est que dans les soins, on ne trouve pas des soins qui soient. Alors, Fatou. Qui a un bon pigmentaire, le conventionnel. Oui. Juste, les filles, coupez vos micros pour qu'on puisse bien entendre Fatou. Et alors, oui. Fatou, elle expliquait, mais elle a eu un problème de connexion. Ce qu'elle vous disait, c'est que du coup, elles peuvent pas traiter correctement les phototypes 4, 5 et 6 parce que c'est des phototypes qui sont très pigmentés. Et là, avec les peelings, on s'amuse pas. Vas-y, Fatou. Et j'ai eu beaucoup de clientes qui ont fait des peelings auparavant et qui ont eu des rebonds pigmentaires, en fait. Du coup, j'ai reçu mes produits aujourd'hui. Donc, mon premier peeling est demain. Ah, et en même temps, j'ai un peu peur, donc, mais bon, je normal. Pense que ça va bien se passer. On n'a pas l'habitude, merci Fatou. Donc, Fatou qui a eu pendant la formation un peeling sur elle, vous voyez qu'elle est sur un phototype foncé. Je pense que déjà, tu peux peut-être l'expliquer sur toi, comment ça s'est passé, tes résultats. En fait, moi, je ne l'ai pas fait. Je ne sais pas si tu te rappelles, je ne l'ai pas fait parce que j'étais sous. C'est vrai que tu es sous traitement, bien sûr. Donc, alors, en effet. Je ne l'ai pas fait, mais on l'avait fait sur ma collègue, Oui. C'est qui était avec moi en formation. Oui, en effet. Qui a à peu près pareil que moi. Ouais. En fait. Exact, en phototype foncé. Alors, évidemment, là, on parlera de tout ce qui est contre-indication. Ça, c'est assez classique. C'est comme l'IPL, c'est comme l'ACS. Ça, c'est les médicaments, on ne fera pas. Donc, Fatou, qui va démarrer, là, elle a un petit peu peur. C'est normal parce que dans nos têtes, nous, esthéticiennes, déjà, le peeling, ça peut faire peur. On n'a pas l'habitude. Mais en plus, se dire qu'on va faire un peeling sur de la rosacée, sur des rougeurs, sur de l'inflammation et sur des phototypes 4, 5, 6, c'est assez particulier et ça peut du coup nous interpeller et nous interroger. Donc, la raison de ce webinaire, c'était pour vous expliquer que les produits peeling nouvelle génération, on va avoir des molécules brevetées, des complexes spécifiques qui vont travailler différemment. Et c'est vraiment de par ce complexe-là où je n'enlève pas de la peau pour que mes actifs pénètrent, mais je rends la membrane perméable. J'ai des vecteurs d'actifs, des transporteurs d'actifs qui me permettent de déposer beaucoup moins d'acide. Rappelez-vous que la réglementation, c'est 40% maximum et que dans les peelings traditionnels conventionnels, si je veux du résultat, je suis obligée de monter en pourcentage d'acide. Et bien là, on va pouvoir avoir des peelings qui sont très peu dosés en acide, mais avec beaucoup de résultats grâce à ces vecteurs de pénétration, à ce PHDVC. Et si je n'abîme pas la barrière, et si au contraire, je la renforce la barrière, je peux donc le faire toute l'année sur tous les phototypes. Il y a une question, Cécile, qu'il y a ici. Comment mesure-t-on la durée du traitement en fonction de la personne? Alors,
La durée du traitement, il faut savoir qu'au niveau des produits chez PH Formula, vous avez plusieurs peelings. Vous avez le Edge, vous avez le Mela, vous avez acné et donc vous avez rougeur, rougeur, inflammation, rosacée. Vous avez aussi vitamine C et vous en avez un pour le cou. Génial pour le coup. Eh bien, suivant le produit que vous allez utiliser, soit on parle de temps, soit on parle de couche. Comment je sais si je vais passer 5 minutes ou 15 minutes? Comment je sais si je vais mettre une couche ou trois couches? Eh bien, grâce à, à cette première étape, le premier step, grâce au SP complexe que je vais appliquer en chaque début de traitement sur le visage de ma cliente, de mon client. Ce produit-là va me permettre de mesurer la sensibilité. Et grâce à cette mesure, eh bien, je sais précisément si je pose mon peeling pendant 3 minutes, 5 minutes ou 10 minutes et si je vais poser une couche, deux couches ou trois couches grâce à cette première étape que vous pratiquez à chaque début de traitement. Il faut aussi, juste pour te compléter un petit peu ton information, c'est que donc, pour avoir des résultats, il faut compter entre 4 et 6 traitements. Espacé de 2 semaines au début. Pourquoi est-ce qu'on dit 4 à 6 traitements? Ben, je dis toujours les rides de quelqu'un de 25 ans ne sont pas les rides de quelqu'un de 50 ans ni de 70 ans. Certaines taches pigmentaires sont beaucoup plus prononcées que d'autres. Donc, partons sur 6 traitements espacés de 2 semaines. Et puis, une fois que vous avez fini votre ce que moi j'appelle le traitement d'attaque, ben, moi, je préconise d'aller en entretien et de faire alors un traitement tous les mois pour continuer à stimuler la peau et pour continuer à encore maintenir, au pire, maintenir les résultats, au mieux, d'encore augmenter les résultats. Donc, voilà, ça, c'est juste encore pour voir aussi un petit peu en longueur. Donc, je pense que au premier traitement, tu vas avoir un coup d'éclat qui est vraiment là. Quand je vois les résultats après un soin, c'est d'habitude assez bluffant puisqu'il y a ce fameux coup d'éclat. Au deuxième traitement, tu vas avoir déjà c'est vous, les esthéticiennes, qui vont aller voir les résultats parce que vous avez un œil beaucoup plus entraîné que Madame Dupont et Madame Durand. Et au troisième et quatrième traitement, c'est vraiment la cliente qui va voir les différences. Alors, je me permets d'intervenir parce que tu vois, aujourd'hui, on a fait venir des clients de l'extérieur pour que les stagiaires elles puissent travailler aujourd'hui. Il y a une jeune femme, Anne-Laure, qui est arrivée, 32 ans, infirmière, donc le masque pendant des heures, et rouge, avec un protocole à la maison, je t'en parle pas, tu sais de quoi je te parle. On lui a fait le CR, donc un peeling. Anti-rougeur. Écoute, elle est repartie. Là, j'attends les photos avant-après. C'est mieux qu'un coup d'éclat. C'est que déjà, en une fois, on lui a traité ses rougeurs et elle est repartie avec tellement moins de rougeurs que là, c'est une cliente qui va revenir pour faire un second traitement peeling, mais en plus que ça, qui est désireuse d'acheter le kit et les produits cosmétique de chez PH Formula pour continuer. Et je peux vous assurer, pour les pratiquer régulièrement, moi, dans mon centre, le centre Médiage là, que j'ai, et de le voir en instantané comme ça quand je fais des formations, les avant-après sont bluffants. On est même beaucoup plus que sur de l'éclat. On a fait aussi un avant-après sur une dame d'un âge qui était ridée, marquée, le teint terne et qui fume depuis longtemps. L'avant-après, elle était sur la table, on voyait le visage qui se transformait au fur et à mesure des minutes qui passaient. Et elle-même, elle nous disait « je sens ma peau qui se lift ». Et en effet, quand elle s'est regardée, elle a dit « moi, il me faut un deuxième rendez-vous et je veux les produits pour continuer ». Parce qu'elle a vu que son visage s'était lifté et à quel point ça avait déjà commencé à traiter les signes de l'âge, c'est-à-dire des taches, le teint terne, le teint qui n'était pas uniforme, les pores dilatés et les rides. Donc, on est dans un traitement, déjà sur le premier rendez-vous, vous avez des avant-après qui sont assez incroyables. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mettez-les dans le chat, moi je vais regarder. Crème solaire conseillée,
toujours, on est bien évidemment sur des produits SPF, vous en avez dans la gamme PH Formula. Très rapidement, moi je vais vous parler de deux produits qui sont quand même super, même trois. Vous avez une crème à la vitamine D qui est juste exceptionnelle, ça va activer eh bien, les capteurs de vitamine D qu'on a au niveau de la peau, et le fait de les activer, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner une kératinisation qui est plus confortable et qui est plus normale. Ça va stimuler la prolifération, ça va stimuler la différenciation des cellules. Donc, grâce à cette crème vitamine D qui est nouvelle chez PH Formula, eh bien, j'ai une peau qui va se densifier. C'est ce qu'on appelle de l'épidermogénèse. J'ai des produits cosmétiques en revente qui sont exceptionnels, notamment la vitamine D. Vous avez aussi la Power Essence qui est une crème, un sérum, un produit excellent qui est formidable, qui est en spray, que je peux appliquer le matin avant mon sérum, que je peux appliquer sur mon make-up dans la journée, dans lesquels eh ben, j'ai du peptide qui ralentit la formation des rides. Je vais avoir des peptides qui stimulent la synthèse du collagène et qui protègent de la dégradation pour limiter les fameux Pac-Man, hein, les MMP. Je vais avoir quoi? Eh ben, un complexe, le Citrillus lanatus, qui fait quoi? Lui, ben, il renforce le processus de régénération cutanée, il protège mon ADN. On va avoir d'autres complexes qui, pendant 4 heures, cette micro-algue, eh ben, qui va avoir un effet lissant immédiat. J'ai mon fameux SOD, la superoxyde dismutase, qui est une enzyme naturelle, les filles, qui est un super antioxydant qui va lutter contre les radicaux libres. On va avoir des tas de produits dans cette brume qui s'appelle la Power Essence, qui est formidable. On a un troisième produit qui est nouveau, que j'adore, qui est la H2O. Écoutez, la H2O, c'est quand même formidable. On va avoir des molécules qui vont inhiber la tyrosinase avec un extrait de cresson, bah, génial. On va avoir de la vitamine B3. On va avoir des facteurs essentiels qui vont booster les cellules, qui stimulent la production des protéines, qui vont les protéines d'adhésion cellulaire, hein, qui permettent d'avoir, vu que j'ai une bonne adhésion, eh ben, la mélanine va mieux se diffuser de manière homogène, donc ça va m'aider à avoir un teint plus homogène. Donc vous voyez, on est sur des cosmétiques ultra pointus et qui permettent, bah, vous d'être dans l'expertise et d'avoir un accompagnement après vos soins cabine et vos traitements cabine à la maison qui vont réellement et visiblement améliorer le résultat de vos clientes tout phototype et toute l'année. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais en parler pendant plusieurs heures tellement les produits sont bien et efficaces. Je vais maintenant laisser la parole à Valérie. Valérie qui va vous parler du Skin Analyzer et moi je vais m'occuper du chat et de répondre aux questions si ça concerne ma partie ou interpeller Valérie si ça concerne le Skin Analyzer. Valérie, bon, c'est à toi. Voilà, ben, chez PH Formula, on a un peu cherché pour avoir une machine qui pouvait un peu nous servir pour mieux comprendre, pour mieux voir et pour, soyons honnêtes, pour aussi mieux vendre les produits PH Formula. Donc, ils ont longtemps cherché, ils ont trouvé une machine qui, pour moi, est un très bel outil dans l'Institut. Donc, c'est une machine qui va faire des photos de vos clientes. Donc, on va prendre trois photos différentes, une photo avec de la lumière normale, une photo avec de la lumière polarisée et une photo avec les rayons UV, sous rayon UV. Et donc, l'ordinateur qui est dans la machine va analyser ces trois photos et va faire de chaque photo trois analyses différentes. Donc, tu vas avoir, donc de chaque client, tu vas avoir 9 photos qui vont être analysées et qui vont te donner une idée de l'état de la peau de la cliente. Sache juste que c'est un outil, c'est pas un outil de recherche, c'est donc pas quelque chose qu'on va utiliser pour faire des études cliniques, mais c'est quand même ça donne une belle indication de l'état de la peau. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, on va surtout voir l'hydratation, on va voir les taches pigmentaires en surface, mais aussi les taches pigmentaires en profondeur. On va voir les dégâts qui ont été faits ou qui ont été provoqués par les rayons UV. Alors, je te dire que moi, je suis assez fan de protection solaire. Je ne sors jamais sans protection solaire. Mais
J'ai mon âge, j'ai grandi dans les années 80 et un peu avant, j'oserais 75, 70, 80, où une protection solaire 2 et 4, c'était environ le maximum qu'il y avait. C'était du Bergasol et du Nivea, je me rappelle encore très bien. Et quand on était tout rouge, ben, ma maman, elle me mettait une crème hydratante Nivea et puis hop, le lendemain, on serait exposé au soleil puisque j'habitais de ce temps-là à la côte. Voilà, donc ça c'est la machine. Donc elle vous permet d'avoir, donc vous voyez ici, il y a donc trois lampes différentes hein, qui vont prendre des photos et ça va vous permettre donc d'avoir une analyse de la peau. Donc on va avoir une analyse sur les taches pigmentaires, sur l'hydratation, sur la sensibilité de la peau. J'ai vu des très belle, entre parenthèses, photo des gens qui portaient le masque et qui avaient donc tout à fait des irritations qu'on ne voyait pas directement visuellement, mais que sur la machine, on voyait vraiment que le port du masque irritait vraiment la peau et provoquait des irritations. Mais ce qu'on voit aussi, c'est la flore bactérienne. Alors, très important pour les acnéiques, mais comme disait Cécile avant, aussi très important pour les gens qui ont de la rosacée. Puisque là aussi, il y a une activité bactérienne qui est présente. Et donc, on peut voir, avant. Donc, ça, c'est une belle analyse. Une fois que l'analyse est faite, elle va comparer les analyses avec une base de données qui est dans la machine déjà et qui va vous montrer, en fait, comparer avec les gens du même âge. Alors, on va voir si on est mieux ou moins bien. Et ils vont donner une sorte d'âge de la peau ou de l'état de la peau. Et là, on va pouvoir travailler sur certains problèmes. On pourra travailler sur une problématique d'hydratation, on pourra travailler sur une problématique de taches, on pourrait travailler sur une problématique de flore bactérienne, etc. Cet outil aussi permettra de cibler les traitements. Je me rends compte que quand je fais des journées portes ouvertes et que je dis à une cliente, voilà, pour moi, il faudra faire un soin anti-rides ou un soin tache pigmentaire, la première réaction d'une cliente, c'est de dire non. Pourquoi on essaye de lui vendre quelque chose? Quand c'est la machine qui montre l'état de la peau, ben là, on voit qu'il y a vraiment, c'est la machine qui l'a dit et il y a une sorte de objectivité qui est là et donc les gens acceptent plus rapidement. Une fois que l'analyse est faite, elle va vous proposer des produits. Elle est très large dans la proposition de produits parce que PH Formula pense que, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est que vous êtes les experts et donc vous allez pouvoir dans les produits, dans la gamme, pouvoir choisir exactement les produits que vous pouvez conseiller à votre cliente. Une fois que vous avez fini l'analyse, vous l'enregistrez et par un système de carte SD ou par un système de Wi-Fi, la cliente peut avoir le PDF de son analyse. Et là, donc, elle va revenir 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines plus tard. Vous pouvez faire une réanalyse et puis vous pouvez comparer les analyses à partir d'il y a 2 semaines, d'il y a 4 semaines, d'il y a 6 semaines, d'il y a 3 mois, etc. Donc, cet ordinateur garde toutes les données de vos clientes dans la base de données. Et donc, elle vous permet aussi, par une extraction assez simple, d'enlever les données de la cliente et donc de pouvoir faire des mailings bien ciblés à vos clientes. Donc ça, s'il y a encore aussi une possibilité. Donc c'est une machine que j'aurai avec moi puisque nous serons aussi à Paris. Donc je vais la prendre avec moi pour bien vous la montrer et vous pouvoir, celles qui veulent venir tester, ben elle sera sur le... sur notre stand. Et voilà, donc c'est un petit peu la machine. Je pense que c'est un atout pour votre institut, pour mieux pouvoir conseiller, et surtout pour celles qui ont un petit peu peur, entre parenthèses, de vendre des soins ou de vendre des produits. Ça peut être aussi une aide. J'ai
une de mes clientes qui l'a acheté, qui m'a dit, voilà, moi, je l'achète simplement parce que je ne sais pas vendre. Je ne sais pas vendre des produits. Et avec ça, ça lui donne un petit peu le support, l'aide pour mieux vendre. Et donc, elle m'a dit, depuis lors, je vends presque 30-40% plus de produits parce que ça me donne un petit peu un appui pour mieux pouvoir vendre mes soins et mes produits. Je suis assez d'accord. Le skin analyzer, moi, j'en ai toujours eu. Il faut savoir que quand j'ai monté mon centre, eh bien, en 2011, j'avais un skin analyzer. Le skin analyzer, ça permet… Bon, celles qui vendent, voilà, en tout cas, qui en parlent facilement, très bien. Moi, c'est mon cas. Ce n'est pas un problème pour moi de proposer des produits. Ce que j'ai pu constater après, c'est que le skin analyzer, il va avoir une dimension très technique et très technologique qui ramène de l'expertise. Donc déjà, vis-à-vis de la clientèle, quand on est experte, quand on se dit spécialiste, le fait d'avoir un skin analyzer, bah, ça envoie ce message d'expertise parce que j'ai une technologie. Et cette technologie, elle montre quand même des photos que je peux pas voir à l'œil nu automatiquement. Alors, juste pour vous donner peut-être un exemple, hop, voilà, si je vous montre juste voilà, une idée un peu des photos, comment c'est décrypté, eh ben, je vais pouvoir mettre en avant, en effet, la flore cutanée, la microbiote, comme Valérie vous a dit. Ça, je ne peux pas le voir à l'œil nu. Je vais voir les taches pigmentaires, celles qui sont visibles, mais celles qui sont aussi en préparation. Donc, quand vous dites, bah, voyez, ces taches-là, vous ne les voyez pas, mais elles sont dans la peau, elles vont sortir à un moment donné. Ah ! Au secours ! Et donc, le skin analyzer, ça permet comme ça aux clients de constater du réel état de la peau et vous, d'agrémenter votre expertise verbale. Donc, non seulement ça aide à vendre, oui, mais voilà, ça vous apporte en plus une consultation qui est beaucoup plus précise et qui est beaucoup plus pointue. Et puis, en plus, allez, moi, je vous conseille vivement aussi de valoriser cette consultation et donc aussi de demander une sorte de rémunération pour cette analyse parce qu'elle dure environ, il faut compter, moi, je compte 30 minutes pour l'analyse, pas que l'analyse en soi, mais pour donner les explications, pour discuter avec la cliente, etc. Ça vous prend quand même 30 minutes. Donc, moi, je demande quand même je vous conseille quand même de demander une rémunération pour ce genre de prestation. En plus, ça valorise votre expertise puisque du fait qu'elles doivent payer pour ça, ça donne encore une valeur en plus à la machine. Alors, j'ai vu dans le chat, il y avait quelqu'un qui me demandait quel est le prix de la machine. Ben, officiellement, il coûte 3 995 euros. Mais vu qu'il y a le salon qui arrive, on va faire un effort sur le prix. Et donc, voilà, à partir, disons, d'aujourd'hui, j'avais dit 1er mai, mais je ne vais pas chicaner sur 2-3 jours. Le webinaire, voilà, il y a offre. Donc, là, on va le laisser à 2995. Oh, c'est bon. 15, attends, je dise pas, je suis belge, hein, donc 2995 euros, c'est plus facile à dire. 2995. Voilà. Donc euros et donc comme il est facturé de la Belgique, il est pour celles qui sont en entreprise classique, il est sans TVA. Celles qui sont en micro-entreprise, ben, il y aura 21% de TVA qui vont se rajouter. Voilà, ça c'était un petit peu. Je ne sais pas si j'ai pas vu toutes les questions. J'ai regardé, donc il y avait le prix, mais pour le coup, tu y as. Il y a Fatou qui nous faisait part de son justement de son témoignage. En fait, elle pensait connaître sa peau, oui. Puis finalement, elle s'est rendue compte que ce n'était pas ça. Alors, du coup, moi, je vous donne un exemple qui est très simple, c'est-à-dire que la cliente, elle pense être hydratée parce qu'elle s'hydrate, mais finalement, elle est hydratée. Voilà, les cornéos, vous savez de quoi je parle. Vous savez que cette expertise, bah, elle est facturée chez nous, les cornéos, il y a une consultation, elle est tarifée. Donc, évidemment, quand vous avez un skin analyzer, eh ben, votre consultation, eh ben, vous pouvez l'augmenter.
Voilà, je vous le dis, chez les médecins esthétiques, vous êtes entre 80 et 120 euros quand vous payez une consultation, simplement. Moi, je suis déjà à 60 ou 65. Pourquoi j'hésite? Parce que cette consultation, moi, je l'offre quand je transforme. Et je suis quasi à 100% de transformation. Donc, un prospect passe chez moi à quasi 100% en tant que client-cliente. Dès qu'il y a la consultation, chez moi, par exemple, c'est une heure. Donc, pendant une heure, c'est le soin. En tout cas, c'est mon rendez-vous le plus rentable de mon institut, une consultation. Parce que là, je vends mes cures. Je mets en place mon expertise, je mets une confiance, d'accord? Et je fidélise beaucoup plus ma clientèle qui pensait faire un one-shot. Je l'engage sur du coup de la cure, j'explique mon expertise et je vends des produits. Voilà, donc pendant une heure, c'est jamais, 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 jamais perdu. Non. Et vous qui connaissez le principe, les cornéos, vous le savez, vous y avez du coup adhéré. Est-ce qu'en effet, il y a d'autres questions? Mais est-ce que c'est grand? Ben, il faut compter, je crois, environ 70 cm de large sur 30, non, 40 cm de haut, et je crois qu'il doit faire 20 cm de profondeur. Donc, et puis, ce qu'il faut compter, c'est qu'il y a une petite cape qu'il faut fermer. Parce que si tu as un institut, par exemple ici, ben c'est chez moi ici, mais j'ai beaucoup de lumière qui rentre. Les jours où il fait très beau, je vais avoir une autre luminosité, donc il y a une petite cape qui prend encore encore une vingtaine de centimètres. Est-ce que alors, tout ce qui est parti, j'irai sous-sous et contact, vous inquiétez pas. Ce que vous pouvez faire, bah, c'est soit voilà, Valérie, elle l'a noté, soit Messenger sur Mediage Formation ou Cécile Michel, je veux un contact. Voilà, moi, je vous envoie sur Valérie, vous contactez Valérie, voilà, il n'y a pas de souci, on reprend contact avec vous pour vous donner des spécificités. Je vais vous montrer, j'ai récupéré les photos, hop, de cette fameuse jeune femme, là, Anne-Laure, qui était très rouge. Malheureusement, avec les appareils photo qu'on a sur nos smartphones, ça rend déjà les peaux toujours plus jolies qu'en vrai. Donc, ça veut dire que l'avant que vous voyez là, bah, il est déjà temporisé. Et donc là, c'était beaucoup plus rouge que ça. Et là, hop, la photo tout de suite après, vous pouvez voir ben, que par rapport à toute cette zone-là qui est rouge, son menton, eh ben, voilà, on a une rougeur qui déjà a diminué. Et la réalité était vraiment, 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 je dirais, encore plus marquante. Et je vous montre du coup de face. Donc, ça, c'est une cliente, vous voyez, qui avait des rougeurs très prononcées parce qu'elle est infirmière, elle met un masque pendant des heures et des heures et des heures. Et là, après le CR, regardez comme le teint, il est plus lumineux, il fait paraître plus uniforme, il est plus net. Il y a moins de brillance et puis il y a beaucoup, beaucoup moins de rougeur. C'était assez impressionnant. Vous le voyez, hein, la texture de peau ici, là, regardez son menton, regardez les joues. Déjà, en une fois, ce qu'on a réussi à faire au niveau de la texture, vous pouvez même voir au niveau du front, voyez, hein, au niveau du front, comme ça paraît le plus lumineux, au niveau des pores dilatés, hein, au niveau de l'uniformité du teint. Donc, on a une cliente qui est ravie, qui s'engage pour un deuxième et qui prend la cosmétique du coup à la maison. Donc, Laetitia, juste pour te préciser le protocole CR, le protocole CR, on va faire que toujours qu'une couche parce que ce sont des peaux sensibles et donc on va simplement faire une couche doucement avec ce soin. Voilà. Alors, pour non, donc du coup, on n'a pas mis de masque, c'est-à-dire que là, dans l'idée, c'était de faire donc le fameux CR, SP complexe, CR, et puis de pouvoir voir le comportement de la peau sans mettre de masque derrière. Bien sûr que dans la formation, après un CR, je vous conseille, c'est limite obligatoire de mettre un masque. Là, on voulait voir ce que ça donnait. Et on avait déjà, juste après, avec la post-recovery, ce type de résultat. Donc, une seule couche, évidemment, 5 minutes, pas plus pour un premier rendez-vous et un résultat, 5 minutes de pause post-recovery, donc une crème de poste, ah yeah, donc en une demi-heure de temps, voilà, résultat magique. Célia vient de se connecter, qui était du coup en formation sur ces 2 jours-là, qui peut vous faire un témoignage ou répondre aussi à des questions si vous voulez, elle l'a fait sur elle, et Célia est sur un stade de rosacée 2.
Hein, on n'est pas sur que le TR, on est sur le papulo, donc assez prononcé. Et donc, hier, Célia, on lui a fait un peeling sur sa rosacée. Oui, vous voyez, elle n'est pas déformée, tout va bien. Très bien, très agréable, pas de douleur, pas de picotement, léger, vraiment léger et tout est contrôlé, quoi. Voilà, donc voilà, c'est du live et c'était du pas prévu. Julie, salut, coucou, tu as une question, Julie, c'est ça? Vas-y, mets ton micro, je t'en prie. Oui, je voulais savoir, tu as fait, moi j'adore PH, hein. Je commence à bien connaître, mais je veux savoir, tu as fait combien de séances sur cette cliente? Alors, sur Célia ou la photo d'avant? Sur la photo. Une seule? C'était juste cet après-midi. Je viens de montrer la photo d'Anne-Laure, Célia. Célia, mais j'ai vu ton vidéo. Donc, la photo là, que vous avez vue, c'est un seul traitement. Hein. C'était aujourd'hui. Ah, d'accord. Okay. Tu vois, hein, c'est fou. Et hein. Du coup, tu conseilles combien de séances? 4 séances? Oh, bah écoute, là, on va partir sur 3. Et puis, certainement que le 4e, 5e, on verra si on peut avancer sur, pourquoi pas, un Vitacé ou un Edge. Voilà, on va faire 2-3 CR et puis après on va peut-être évoluer sur autre chose. Donc Julie travaille avec PH Formula aussi, hein. Vous voyez, il y a des filles qui connaissent déjà et qui sont là, qui peuvent vous dire, oui, tous les phototypes, toute l'année, et à quel point, j'insiste, on n'est pas sur du peeling conventionnel et traditionnel, on est sur des produits de pointe qui vont travailler la peau pour la densifier, tant sur l'épiderme que dans le derme, réparer la fonction barrière, limiter les dégâts, traiter les taches, traiter les rougeurs, les inflammations, la rosacée, traiter les signes de l'âge, préventif, curatif, hommes, femmes, jeunes personnes, bien sûr, acné juvénile, on va le prendre en charge. Et ce programme-là de peeling, nouvelle génération, eh ben, ça permet d'avoir un traitement, on ne va pas se le cacher, qui est très rentable. Ce sont des soins, des traitements qu'on fait de manière très courte. Vous avez la possibilité de les traiter sur 30 minutes, une heure, voire une heure et demie. Et en termes de prix de revient, ben voilà, on est très efficace. Par exemple, sur le Edge, sur une demi-heure, ça va vous coûter moins de 7 euros et c'est un peeling que vous facturez 89. Voilà, c'est très, 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 très rentable. Et cet après-midi, ce qui était intéressant avec ses clients de l'extérieur, c'était de voir à quel point c'était hyper addictif pour elles, très ludique et qu'elles avaient vraiment envie de continuer. Ce qui est aussi, moi, ce que moi j'aime bien quand je fais un traitement, c'est que quand tu as fait un traitement l'après-midi, que le soir tu es à la maison, tu es en train de regarder un petit peu la télévision ou en train de lire un livre, tu sens vraiment que ça travaille encore dans la peau. Je sais pas, Célia, si tu ressens la même chose. Toi. C'est comme s'il y a quelque chose qui se passe encore dans la peau. Et je crois que les gens, les clientes, elles aiment bien parce qu'elles ont une sensation qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Enfin, pour Célia, tu peux me confirmer ce que tu as... Oui, tout à fait. Donc, le soir même, alors pas d'inconfort, bien sûr, le visuel, le ressenti. Le lendemain, c'était super. Je me suis maquillée. Ça a pris tout de suite un effet levé. Là, je pouvais aller draguer sans souci. On est tout invité là. Oui, même Nathalie, hein, qui a été modèle cet après-midi, voilà, comme je vous disais, elle le sentait pendant l'application et même après. Voilà, c'est vrai que moi j'ai fait le Edge aussi. Tu sens que ta peau, elle est jolie jour après jour et puis tu la sens tonique. Ce n'est pas de la magie. Vous savez, moi, je suis plutôt assez terre à terre. C'est des actifs dont je vous ai parlé en début de ce webinaire qui sont très techniques et qui vont nous permettre justement d'avoir ce côté lissant, ce côté tenseur. On n'a pas ce genre de résultat avec de la poudre de perlimpinpin. C'est des complexes peptidiques, c'est des complexes qui sont profités. C'est le C2C qui permet, le C2C qu'on trouve dans les produits avec de l'acide hyaluronique hydratant, qui sont des actifs, des complexes brevetés qui permettent une meilleure communication cellulaire. On a des actifs qui protègent l'ADN, qui réparent l'ADN. Voilà, on est sur des produits de pointe. Et c'est pour ça que vous avez une formation de 2 jours avec PH Formula parce que, et en effet les filles qui ont déjà suivi la formation peuvent vous en parler, c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant, mais c'est technique. Donc moi j'ai besoin de vous avoir pendant 2 jours, le matin pourquoi ? Bah pour vous faire de la théorie, l'après-midi vous le faites sur vous-même, en binôme, trinôme, le lendemain on refait de la théorie,
la cosmétique, les peelings, comment ça fonctionne, les prix de revient, et puis comment je construis mes protocoles. Et l'après-midi, vous recevez des clientes sur lesquelles vous vous exercez. Je précise que ces deux jours-là, bon, ils passent vite, ils sont assez intenses, vous le savez. Je précise que quand vous faites une formation chez Mediage Formation, vous avez un pack média qui vous est du coup envoyé. Ce pack média, ça vous permet d'avoir, pour répondre à une question tout à l'heure, des photos avant-après. Donc, du coup, je vais vous montrer des photos avant-après. Et ça, c'est ce que vous avez dans le pack média quand vous vous inscrivez aux formations Peeling Nouvelle Génération avec moi. Vous avez ce pack média-là. Alors, hop, je vais vous faire le partage de quelques-unes de ces photos. Pourquoi j'ai mis en place ces packs média? Parce qu'il me semblait intéressant que vous puissiez avoir des photos avant-après, avant même d'en avoir vous, parce que pour en parler, pour faire des préventes, pour présenter cette nouvelle prestation et pour vendre cette nouvelle prestation, eh ben, il vous faut des images. Donc, dans ce pack média, vous avez la foire aux questions, et vous avez des avant-après pour que vous puissiez déjà dynamiser vos réseaux sociaux et montrer cette nouvelle prestation que vous allez proposer à vos clientes. Alors, regardez, hop, je vous montre, voilà, par exemple, cette photo. Voilà, dans votre pack média, vous avez une photo avant-après où on voit bah, le traitement là, bah, de l'acné. On va avoir des photos comme ça. Vous allez avoir une photo aussi sur de l'anti-âge. Vous avez photo pour, bah là, je ne sais pas, peut-être que c'était pour le traitement du duvet, j'en sais rien. Je vais vous en montrer du coup une autre. Voilà. Hop, vous avez celle-là que je trouve plutôt assez jolie. Donc ça, ça fait partie du pack média. Donc quand vous vous inscrivez, vous recevez ces photos et ça vous permet voilà, de pouvoir les montrer déjà sur votre site internet, sur Insta, sur Facebook, sur Snapchat, etc. à vos clientes et clientes pour déjà les solliciter et susciter de l'intérêt. Il faut savoir que par exemple, bah, les filles qui ont suivi, là, comme Fatou, Gladys, Célia, Kéla, qui ont suivi la formation déjà, le fait de vous faire déjà faire des lives, de vous faire faire des posts pendant la formation, eh ben, y a des clientes qui vous demandent des infos et qui vous demandent des rendez-vous. Donc, on vous donne les moyens, les filles, avec des super produits, avec une super formation, avec des super supports pré- et post-formation, de faire venir les clientes et les clients à vous. D'accord ? Et sachez que tous les avant-après que vous retrouvez sur les réseaux sociaux PH Formula, si vous mettez, vous faites une recherche hashtag PH Formula, vous allez voir énormément d'avant-après. Ce ne sont pas nos avant-après, ce n'est pas les avant-après de PH Formula, ce sont vos. Ce sont des esthéticiennes qui ont mis des avant-après sur notre réseau social parce que nous utilisons en fait ces photos-là qui sont vos photos. Vous avez vu, il y a des avant-après en italien, vous allez voir en Turquie, PH Formula Turquie a fait un challenge avec tous leurs esthéticiennes pour avoir des avant-après. Ils pouvaient gagner, je ne sais plus ce qu'ils pouvaient gagner, mais c'était assez un beau cadeau. Et donc, elles ont commencé à tout mettre des avant-après sur les réseaux. Donc là aussi, vous pouvez prendre et rechercher énormément d'avant-après. Et ce sont les vôtres. C'est pas des photos que PH Formula a fait, c'est pas des photos que PH Formula a trafiqué ou veut essayer de vous vendre, c'est en fait les résultats de nos esthéticiennes. Alors, pour répondre aux questions, donc les formations qui sont sur Bordeaux, qui sont sur Paris, Strasbourg, Lyon, c'est sur le site Mediage Formation. Les formations en Belgique, ben, on va s'appeler très vite avec Valérie parce qu'on sait qu'on va faire des formations en Belgique. Il faut juste qu'on pose la date, Adeline. Donc, voilà, on en a parlé. Je vais te proposer ça très vite maintenant sur la Belgique. Donc, vous avez des formations sur Strasbourg, sur Paris, sur Bordeaux, sur Lyon et sur Montpellier. Plus après, Belgique, Suisse, voilà, qui va arriver incessamment sous peu. Quand je dis la Suisse, je pense que Marlène a dû checker ça
Vite. Salut Marlène, coucou. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions plus techniques sur le fonctionnement? Pourquoi? Voilà, est-ce qu'on a bien répondu à cette question de, ah, tiens, le peeling l'été, est-ce que je peux le faire? Oui, et eh bien oui, au jour d'aujourd'hui, vous avez une prestation supplémentaire qui a une super rentabilité qui vous permet de proposer des traitements peeling nouvelle génération et même l'été. Vous savez que moi, je suis très fan du traitement anti-tache. Et ben, quand vous faites des traitements anti-tache, et ben, vous pouvez les faire toute l'année. Et on peut les faire toute l'année aussi grâce à ce type de prestation. On prend en charge les taches pigmentaires le mois de mai, juin, juillet, août, septembre, sans aucun problème. Et bien au contraire, celles qui ne traitent pas les taches sur la période estivale, je la mords. Il faut traiter les taches pendant la période estivale. Il faut les prendre en charge. Oui. On voit des modèles, on pratique. Oui, Léna, tu pratiques deux fois. Tous les après-midi pendant deux jours, tu pratiques le premier après-midi sur toi et le deuxième après-midi sur des clientes extérieures. Complètement. Vous avez donc deux pratiques. Voilà, c'est une formation qui est très complète. Voilà, je me déchire, hein, vous le savez, à essayer de le faire le mieux du mieux du mieux et de prendre en compte vos retours pour améliorer. C'est pour ça qu'il y a les packs médias, c'est pour ça qu'il y a les foires aux questions, c'est pour ça qu'il y a les webinaires. Il faut savoir que Valérie aussi, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, les filles de Strasbourg, elle se déplace. Elle est venue il y a quelques semaines de ça à Lyon, hein, à Brignais, pendant une journée pour vous faire des petites révisions et aussi pour vous présenter les nouveautés. Ben, ça, c'est offert. Oui, ça, voilà. C'est donc, il nous faut une date sur Strasbourg, d'ailleurs, Valérie, il faut qu'on s'appelle tout à l'heure. Voilà, on aura ces dates-là et ce sera aussi sur nos réseaux sociaux, d'accord, et sur le site Médiage Formation. Donc, quand vous avez suivi la formation de deux jours, vous n'êtes pas seul, vous avez un groupe, hein, sur Messenger et vous avez des révisions, des webinaires comme ça en live qui sont en replay sur YouTube et Valérie qui se déplace, voilà, tous les deux, trois mois. Qui va se déplacer un petit peu partout comme ça sur des sites où moi je vous forme. Je dois encore descendre sur Strasbourg, ça c'est sûr, et je dois encore descendre dans le sud aussi. Oui, donc, très bien. Parce que du coup, sur Montpellier, là, je verrai avec toi. Ouais. Voilà, vous avez une belle, belle prise en charge. Donc, on vous attend impatiente pour vous voir en formation. Et il y a Laetitia qui veut le Pas-de-Calais aussi. Laetitia, tu me l'as dit, tu as raison. Le Pas-de-Calais, il faut que je vienne, reste une semaine et comme ça, on fait tout. Parce que le Pas-de-Calais, c'est comme la Bretagne, ils sont souvent oubliés, c'est criminel. Et puis, il y a Léna qui dit oui, pour travailler avec PH Formule. Mais là, il faut faire une formation. Je suis très stricte là-dessus. Comme distributrice, je suis vraiment très, très, très stricte là-dessus. Je ne donne pas de produits à quelqu'un qui n'est pas formé. Si vous l'avez compris, c'est technique. Hein, Léna, on ne peut pas vous faire une formation comme ça à la volée, une demi-heure, une heure, deux heures, quand on vous pose les produits, comme ça se fait avec les traditionnels. Tu es arrivée au tout début, Léna, oui, tu étais là au tout début. Vous avez saisi qu'il y avait les peelings qui sont très bien, les traditionnels, les conventionnels, nous ont permis d'avancer, nous ont permis de faire des choses. Mais aujourd'hui, ils sont obsolètes, ils sont plus limités. Là, on passe vraiment des levels au-dessus, pas un seul level au-dessus, plusieurs levels au-dessus. Et c'est technique. Et ça, ça nécessite deux jours de formation. Et celles qui l'ont suivi, elles peuvent vous le confirmer. Sans les deux jours de formation, on serait perdu. Oui, je pense. Et puis, comme tu dis, il y a toujours des petites choses que la première formation, tu n'as pas tout bien saisi. Donc, moi, je vous conseille quand même de régulièrement vous reformer aussi parce qu'il y aura des nouvelles technologies, des nouvelles techniques, des nouvelles petites astuces qui ont été dites la première fois, mais qu'on n'a pas capté parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations les premiers jours. C'est pour ça qu'il y a les webinaires quand même qui sont là offerts et que Valérie se déplace. Et ça aussi, c'est une journée qui vous est quand même offerte pour vous remettre la petite révision qui va bien. Voilà. Nous, on va devoir libérer Valérie qui enchaîne, hein, qui a une... assez chargée encore ce soir, elle continue. Si vous avez des questions, moi je peux encore rester, hein, vraiment avec plaisir. Skin analyzer, peeling, cosmétique, les avant, les après, les ventes, les produits, les prix. Voilà, moi je peux encore rester une vingtaine de minutes avec grand plaisir, donc n'hésitez pas. Ok, je vous souhaite une bonne soirée. Encore une fois, Valérie. J'espère te revoir bientôt, Cécile, et de vous revoir. On se voit à Paris, nous. Oui, ben, on se voit certainement déjà à Paris, donc venez nous faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous voir en vrai.
Toujours. Okay. Merci beaucoup, Valérie, de ta présence et de ta générosité, comme à chaque fois. Ok, au revoir, bonne journée. Ciao, ciao. Okay. Ciao. Alors, si vous voulez poser des questions, bah, allez, ouvrez les micros. On se fait ça comme on aime. Hein, voilà, ça papote dans tous les sens. Et puis moi, j'aime bien papoter avec vous. Salut les filles. Alors, c'est quand les prochaines dates de formation à Paris? À Paris? Écoute, justement, après le congrès, Léna. Après le congrès? Après le congrès, tu as le 14 et 15, où il me reste encore deux places sur… 14 et 15, c'est lundi, mardi? C'est mardi, mercredi, parce que le congrès finit le lundi 13 et tu as une formation le 14 et le 15, donc le mardi et le mercredi. Après, ce sera la rentrée. Genre septembre, octobre, novembre, décembre. L'agenda, il va être à jour dans peu de temps, mais je vais voir avec Marine pour qu'elle mette les dates, tu sais, sur Facebook. Voilà, d'accord. Paris, toutes les dates. Pili, donc, Paris, c'est à Paris, donc c'est dans un institut? Alors, c'est dans un centre de formation. D'accord, ok. Dans un centre de formation, vous avez l'adresse et tout. Donc, vous allez avoir des dates. Allez, tous les deux mois, entre toutes les 6 à 8 semaines, je tourne. Strasbourg, Paris, Montpellier, Bordeaux. Donc, Paris, c'est, si je ne prends pas le mois de mai, ça sera en septembre. Si tu ne prends pas le mois de mai. 14-15. En plus, je te disais une connerie. Donc, tu as le 17 et 18 mai. Donc, c'est un mardi, mercredi à Paris. 17-18 mai, ouais. Il y a le 14 et 15 juin à Paris. 14, et aussi le mardi, mercredi, sur Paris. Donc, d'accord. Il y a une date en mai et une date en juin. Mai, juin, d'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de références PH Formula en vente? Écoute… Il y en a quelques-unes, oui. Ouais, il y en a quelques-unes, je trouve. Vous êtes plus tendre, hein. On s'y retrouve assez bien. Ils sont assez pédagogues. Peut-être que vous l'avez peut-être vu et compris, en tout cas j'espère, pendant ce webinaire et puis celui de janvier. C'est assez pédagogue. C'est très bien construit. Donc je trouve qu'on se repère assez bien au niveau des. Il y a des gammes complètes. Au niveau des gammes, au niveau des références, c'est par code couleur. Si vous avez quelques minutes, je vous montre une vidéo qui est très rapide et qui vous permet de voir les produits, à quoi ils ressemblent. Ils sont très, très beaux. Et je vais vous montrer ça. C'est très, très beau. Il y a des nettoyants et tout ça? Il y a tout. Il y a les prêts, il y a les postes, il y a des nettoyants, il y a la cosmétique. Écoutez, ils ont un sérum anti-tache qui est absolument formidable. La Power Extensique, la H2O, elle est superbe. Ils ont de la vitamine C avec différentes molécules de vitamine C pour qu'on ne puisse pas avoir une vitamine C de base, mais une vitamine C plus élaborée, plus technique. On a vraiment des complexes, des vecteurs qui permettent de vraiment faire pénétrer ces produits-là. Et en plus, dans des produits cosmétiques, on va retrouver le pH DVC, les filles. C'est-à-dire que le pH DVC, je vous l'ai expliqué, il est pour faire pénétrer les ingrédients actifs des peelings, mais j'ai le pH DVC aussi dans la cosmétique pour que mes actifs ne restent pas qu'en surface et qu'ils puissent pénétrer. Comment je fais pénétrer les filles, les actifs avec mes cosmétiques habituellement? Eh bien, on nous dit quoi? Fais des peelings, je colle des acides de fruits et du coup, c'est comme ça que je fais pénétrer mes actifs, en mettant des acides de fruits. Donc, en enlevant. Ben là, chez PH Formula, on ne va pas faire pénétrer les actifs en enlevant, on va faire pénétrer les actifs grâce à des vecteurs, à des transporteurs. Donc, je n'enlève pas pour que ça pénètre. Je fais en sorte que ces ingrédients actifs soient disponibles et puissent avoir une pénétration cutanée qui est naturelle. Vous voyez là quand même la différence, ce n'est pas la même chose. Donc, je ne dénature pas pour mettre des actifs. Je rends la peau dans la capacité de laisser rentrer, de laisser pénétrer et de favoriser cette absorption pour que mes ingrédients actifs rentrent dans les couches de ma peau, pénètrent la fonction, la barrière cutanée, la membrane cutanée sans l'abîmer. Alors, je vais vous montrer cette petite vidéo, vous allez voir, qui est très rapide. Vous verrez, c'est vraiment une petite minute. C'est très, 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 très facile. Je retrouve mes petits et voilà, c'est bon. Hop, elle est là. Tac. Hop, je fais juste la petite pause. Et vous êtes ici. Voilà, vous êtes là. Allez, c'est parti, vous allez voir. C'est
quelques petites minutes ou deux à peine. Vous voyez l'écran? Oui. Oui. C'est bon. Allez, et ben du coup, c'est parti. Je vais lancer la vidéo. Vous entendez? Bruit? Regardez comme ça. Ah, magnifique, ça donne envie. Ça donne envie de les avoir et puis ça donne envie de les faire. Donc, ça fonctionne, comme vous pouvez voir, par code couleur. Si je vous remets juste. Vous avez des pour les tâches, vous avez les produits pour l'anti-âge, vous avez le vert pour les acnés, l'inflammatoire, le violet pour traiter la rosacée et les inflammations. Donc les codes couleurs, ça permet au niveau des références reventes de savoir où je suis assez facilement. Voilà, après le reste de la vidéo, c'est comment on applique. Intéressant par rapport à ce que on se la gardera pour plus tard. L'idée, c'est de vous montrer à quoi ressemblaient les produits et comme ils étaient jolis et ils sont très, très, très bien rangés et visuellement, on les reconnaît facilement pour pouvoir les revendre. Est-ce que vous avez d'autres questions pendant que je check le chat? Moi, j'ai une petite question. Oui, Julie. Je suis arrivée un peu en retard, j'ai complètement zappé les derniers. Du coup, pour les tâches en été, juste comme moi je travaille déjà avec pH, vous avez parlé de mild ou de power clay? Alors, excuse-moi, du coup, tu peux me refaire ta question? Pour les tâches en été, parce que je suis arrivée en retard. Oui, oui, les mild. De mild, alors, d'accord. On est d'accord que l'été, au niveau de pH Formula, vous avez des peelings qui sont en version solution et en version mild. Et donc, les mild, ils vont être appropriés pour les phototypes 4, 5, 6 et pour les saisons estivales. Voilà, donc on a des formulations spécifiques. Et oui, Julie, saison estivale, mild. Pas de power clay l'été quand même. Mild. Alors, tu peux le power clay, le Mela, mais SPF obligatoire. Ah bah de toute façon, n'importe quel. Voilà, mais tu peux le Mela, même sur du phototype 4, 5, 6, tu peux faire du Mela l'été à partir du moment où il y a du SPF. Ouais, ouais. Alors, les filles, pour les informations, je vous demanderai d'envoyer soit une demande, et je vous mets le mail contact@mediageformation.com. Vous mettez, s'il vous plaît, en titre de votre mail webinaire ou PH Formula, et à partir de votre mail, on vous envoie un PPT sur lesquels vous avez des infos sur PH Formula, des contacts et tout ce qu'il faut. Donc, si vous voulez des infos, tarifs, contacts, comment ça se passe, tatati, tatata, envoyez un mail sur le mail que j'ai mis dans le chat et nous, on a déjà ce qu'il faut pour vous faire glisser les infos. D'accord? Voilà, mediageformation.com, je n'ai pas fait de faute, ce serait quand même couillon. Vous avez le replay donc, du coup, d'aujourd'hui, de ce soir, sur la chaîne Mediage Formation, la chaîne YouTube. Vous avez le replay du webinaire de janvier et vous avez le replay de ce soir qui sera téléchargé. Laissez-moi juste demain qu'il puisse se télécharger. Vous savez, je répète, quand vous vous inscrivez aux formations Mediage Formation, vous avez le pack média dans lesquels vous avez des animations, des photos avant-après et les foires aux questions. Une foire aux questions pour vous et la foire aux questions pour vos clientes. Voilà, donc on a fait un pack média assez riche pour que vous puissiez faire des préventes et démarrer avant même d'avoir suivi la formation. Juste une question, oui. Cécile. Est-ce que ces produits-là, ils peuvent aussi traiter, par exemple, des cernes noires? Est-ce qu'on peut traiter des contours des yeux, en fait, avec ces produits-là? Écoute, tu me fais plaisir à parler de ça, parce qu'en effet, on va retrouver chez PH Formula des peelings qui nous permettent de traiter, et en plus de la cosmétique pour du suivi, dans lesquels on va avoir la possibilité de faire des soins signatures avec un petit kit à la maison. Dans ce petit kit, vous pouvez avoir un produit comme le Hair Recovery, et dans ce Hair Recovery, je vais avoir une plante, c'est un produit phytochimique, bon, la bonne chimie, hein. C'est ce qu'on appelle un phénol méroterpène, c'est le bacuchiol. C'est issu
issus de graines du Psora, Léa, Corylo, Folia, excusez-moi si je ne le prononce pas bien. Bref, les premières études de ce bacuchiol, ça permet en fait de... ça nous a donné comme information que c'était un produit analogue au rétinol. Pourquoi ? Je vais avoir les avantages du rétinol sans le rétinol. Ça veut dire que ça va déclencher la même expression génétique que le rétinol, mais sans les effets potentiellement secondaires de photosensibilisation et d'irritation. Au final, ça donne quoi ? Ça donne un produit qui est toléré pour pas tous les phototypes, mais en plus de ça, ça va me créer de la néocollagénèse, ça va empêcher les MMP de dégrader mon collagène, et en plus de ça, ça va limiter la peroxydation lipidique, et ça va aussi du coup avoir une action sur l'hyperpigmentation. Donc vous voyez, on va avoir un produit contour de l'œil de malade pour traiter les stases sanguines. On a en plus chez PH une nouveauté qui est juste extraordinaire, c'est les patchs, les Crystal Haze. Donc, c'est des patchs, pas des demi-lunes, mais qui sont beaucoup plus larges, qu'on peut garder, on les gare sur les yeux. Pendant 8 heures, on fait dodo avec les filles, et là, en fait, ils ont un maillage juste extraordinaire. C'est-à-dire que la technologie de la matière du patch fait que ça emprisonne des molécules actives qui vont être libérées pendant 8 heures pendant que tu fais dodo. Ton contour de l'œil, le matin, tu te lèves, c'est cendrillon, tu as limite les oiseaux qui t'amènent ta robe de chambre. C'est pas la même chose. Et en fait, cette technologie de maillage est incroyable. Je te jure, c'est juste impressionnant. Donc, la technique du maillage fait que tu as une libération de ces actifs-là. Et en plus, dedans, tu vas avoir des oligopeptides. L'oligopeptide, c'est quoi les filles ? Facteur de croissance épidermique. EGF. Facteur de croissance épidermique. Épidermogénèse, donc renouvellement cutané, meilleure réparation, traitement diminution des rides, un acide hyaluronique là, qui est bien foutu, qui est très puissant. On va voir aussi l'extrait d'amamélis pour le côté aussi astringent, anti-inflammatoire. On va avoir des oligo-éléments et des minéraux dedans comme le cuivre, le cobalt, le manganèse, le zinc. Ça, c'est génial. Ça renforce la barrière cutanée et ça empêche les rougeurs et les irritations et ça limite la déshydratation. On a des extraits de pépins, le vitis vinifera. Alors ça, c'est quoi ? C'est du pépin de raisin. Hein, comme son nom l'indique, en fait, ce n'est pas la peine de se la péter. C'est des extraits de pépins de raisin. Bon, dedans, on a des resveratrol. Les resveratrol, les cornéos, c'est quoi ? Eh bien, c'est un antioxydant. Et c'est un quoi, le resveratrol ? Un sénolytique. Sénolytique ! C'est pour lutter contre les cellules zombies. Ouh ! Donc là, vous avez des Crystal Haze. C'est une tuerie. Donc oui, Léna, le contour de l'œil, finger in the noise, là, c'est magnifique. Il est tard, là, Cécile, on a du mal à faire fonctionner la tête. Oui, mais moi, tu vois, je suis toute excitée, là, je peux durer jusqu'à minuit comme ça. J'étais en train de me dire la même chose, je dis, comment elle retient tous ces petits noms, là. Mais parce que c'est à force d'en parler, déjà, et puis voilà, moi, oui. C'est les trucs qui me branchent. En tout cas, les Crystal Haze, ils sont super. Le Hair Recovery, il est magnifique. Et du coup, vous pouvez faire des soins signature cabine plus une continuité à la maison qui vous permet de traiter aussi des poches hydriques et des stases sanguines. Moi, j'ai beaucoup de clientes, beaucoup qui me demandent de traiter leurs taches au contour des yeux. Là. Quand vous avez ces produits-là, vous pouvez faire vraiment des soins signature. C'est-à-dire que là, personne ne peut vous pomper, même la collègue, elle veut vous faire un truc, ce n'est pas possible. Vous faites du soin sur mesure, personnalisé et du signature. Voilà, avec des avant-après qui sont assez dingues. Voilà pour le contour de l'œil. Bon, écoutez, moi, je pense qu'on est pas mal. On se revoit, je dirais, bientôt. On refera des webinaires. Le congrès de Paris, on y est. Valérie, du coup, elle a pris un stand, donc c'est super. Et en fait, on a fait en sorte qu'on était en face. Donc, quand vous venez voir Valérie, vous voyez Cécile. Et quand vous venez voir Cécile, vous voyez Valérie. Pour celles qui ne sont pas au courant, moi, j'ai fait un stand avec mes collègues et mes partenaires. On a fait un stand commun avec esthéticienne performante et Physiobel. Voilà, donc on a un stand, vecteur de connaissances, les compétences. Sur le même stand, vous allez trouver Physiobel, esthéticienne performante et la Skin Academy, Mediage Formation. Et en face, paf, Valérie, PH Formula. Autant vous dire que le congrès, vous venez vers nous. Donc voilà, et puis vous ne bougez plus, vous avez tout ce qu'il vous faut. On vous sert même les cafés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? On est parfait. Il va y avoir de l'ambiance.
Ah, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir le feu. Hein, ça, voilà, vous avez une bonne déjà idée en nous connaissant de comment ça se passe. Donc, bah, voilà, moi, je vous remercie d'avoir été là. Merci. Celles qui nous regardent en replay, ben, merci de nous regarder en replay. Vous avez donc le mail contact@mediageformation.com pour nous envoyer vos questions et vos demandes. On a ce qu'il faut. Schlac, on vous fait glisser les réponses très, très vite. Enfin, très vite. Laissez-nous 2-3 jours, hein. On n'est pas hyper connecté comme ça à fond tout le temps. Calmez-vous, laissez-nous 3 jours, au moins qu'on puisse répondre, parce que les samedis, dimanches, eh ben, c'est un truc de dingue, on s'arrête, on ne bosse pas. Je sais, c'est quand même assez fou, mais on a aussi des week-ends. Voilà, je vous fais des bisous, merci d'avoir été là, ça m'a fait super plaisir de vous voir. Bah, merci. Et puis je vous dis merci. À très très vite. À bientôt. Merci. Merci Alice d'avoir été là. Merci, au revoir, bonne soirée. Merci à toi. Ciao, ciao. Bye.